Naufragé repéré, porter assistance. C'est presque à une journée de route derrière nous. Qui ça peut bien être? Des Américains? Des Anglais? Des Italiens? C'est pas précisé. À mon avis, nous allons repêcher des alliés, monsieur Loomis. Et c'est un ordre, pas seulement une suggestion. Eh bien, soit. Après tout, ça nous rapportera sans doute une médaille. Dis ta course de prévoir la route. Sous-marin américain requin-tigre. Océan Atlantique, août 1943. Nos hommes sont prêts à faire feu, monsieur. Inutile, ce sont des Britanniques. Rien ne le montre ? Les Boches ont des canots à voile blanche, contrairement aux Britanniques qui en ont des rouges d'ailes. On nous enseignait ça longtemps à l'école d'officiers. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En revanche, la devise des sous-mariniers, je pourrais vous la réciter en latin. Contact radar, traverse tribord à 7000, monsieur. Mort de Dieu. Je me demande s'il nous voit. Il navigue pas à plein régime pour rien. En avant toutes, barre à zéro, tout le monde au poste de combat. En avant toutes, barre à zéro, tout le monde au poste de combat. Accélérez le mouvement. Tâchez de me récupérer tout ce qui respire sur ce canot. Ne vous occupez pas du reste. À vos ordres, monsieur. Faut embarquer ces naufragés. Je le tiens, lâchez. Prenez le relais. Attention, il est blessé. Naufragé suivant. Vite. Le navire de guerre approche. Remuez-vous. Doucement. Remuez-vous. Ma chambre. On fera les présentations plus tard. Allez, allez. C'est bon, je continue seul. Homme suivant. Homme suivant. Regardez ce qu'on a là. Tout le monde à son poste. Immersion périscopique. Immersion périscopique immédiate. Immersion périscopique, à vos ordres. Ouvrez toutes les purges. Clair pour les ouvertures de coque. Toutes purges signalées ouvertes. Pression dans le bateau. Pression dans le bateau. Deux cheminées. Environ 3000 tonnes. C'est un bâtiment ennemi. Probablement un classe Z. C'est peut-être celui-ci. Tourelle arrière, 4 canons de 50, aucun armement latéral, grappin offensif. Vitesse en hausse, monsieur Bryce. 30 nœuds au moins. 80 mètres. Plongée à 80 mètres. 80 mètres. 90 à gauche. 90 à gauche. Vous remettez le combat à plus tard. Bonne décision. On a 3 survivants, des British. Et devine quoi? L'un d'eux est une femme. C'est toi qui vas faire. 3 survivants, dont une PP. 3 Anglais, dont une poulette. 3 British, dont une femelle.
Hé les gars, écoutez-moi ça. On a trois rescapés anglais, dont une bergère. Alerte générale, gonzesse à bord. Hé, Hogg, fais passer le mot. On a trois buveurs de thé, dont un avec des rotoplots. On a récupéré une morue. Ah ! Nom de Dieu, quel king ! J'ai un truc à vous dire, viens. Hé les mecs ! Écoutez un peu la nouvelle. Vous allez pas en revenir. On a récupéré trois Anglais. Et tu sais quoi ? Sur les trois, on a une foutue gonzesse. Oh merde. Comme si on avait besoin de ça. Tu parles d'une poisse. Ah, si sa présence vous pousse à laver enfin vos caleçons crasseux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, qu'est-il arrivé à votre... Qu'est-il arrivé à votre bateau ? C'était un navire hôpital. On a été attaqué il y a deux nuits. Deux nuits ? Excusez-moi, je ne sais plus, mes souvenirs sont flous. Un seul point est vraiment sûr. Mon nom est Claire Page. Les détails vont me revenir, j'en suis certaine. Ce n'est qu'une baleine. Normal que ces bruits vous effraient. Rares sont ceux qui arrivent à s'y faire. Attention, écartez-vous, laissez passer. Waouh. Faites gaffe à vos petits orteils. La plus jolie poisse que j'ai vue de ma vie. Il a l'air esquinté. Ôtez-lui ses vêtements, vous verrez mieux ses blessures. Je lui changerai ses pansements. Ce sont les seuls soins qu'on puisse lui faire pour l'instant. Très bien, ça ira. Je ne me suis peut-être pas bien fait comprendre. Je l'ai vu. Je l'ai aperçu dans le reflet de la lune, juste un peu avant l'explosion. C'est vrai, il faisait sombre, mais je l'ai vu, ce n'était pas une mine. C'était un U-boat. De quelle classe ? Un Deep 7 ? C'était un vieux sous-marin ? Ou un plus récent ? Comme celui-là ? Étrave ronde ? Difficile à dire. Effilé ? Je ne l'ai vu que très peu de temps, quelques secondes seulement. C'est donc vous qui étiez de quart cette nuit-là, monsieur... Kingsley, second maître, marine marchande. Non, en fait, j'étais pas de quart. Je suis seulement sorti m'en griller une petite. J'avais envie d'une cigarette. Combien étiez-vous à bord de ce navire ? Il y avait 300 patients. 300 au moins. De retour d'Afrique du Nord. Oui, plus tout l'équipage. On était 82 hommes. Vous dites qu'ils n'ont tiré qu'une torpille sur vous ? Odell. Allez prévenir qu'on a un sous-marin ennemi dans les parages. Oui, monsieur, je termine ça. Tout de suite, c'est urgent. À vos ordres. Je regrette que nous n'ayons pas pu sauver plus de monde. Qui est-ce, cette troisième personne qui vous accompagne ? C'est... Un de mes patients, lieutenant. Dans des circonstances normales, j'aurais sûrement pu vous déposer le port anglais le plus proche, mais ça nous ferait un détour de 300 nautiques. Alors, désolé. J'ai l'impression qu'on va devoir se tolérer. Une dernière chose. Pourriez-vous éviter de fréquenter les hommes ? La plupart sont de gentils garçons, mais ils pourraient être étranges en présence de... Étrange ? Vous voulez dire superstitieux ? Juste étrange. Soudain, son cœur se retourna dans sa poitrine. Cette énorme et répugnante créature était face à lui. La bouche du spectre se déforma aussitôt dans un rictus terrible et menaçant. L'ectoplasme poussa alors un long cri guttural. L'ectoplasme. Le fantôme. Son haleine empestait la morue en décomposition et la peau de gorille. Vas-y, vas-y. Puis, il s'avança vers lui, le dos voûté, sans aucune hâte. Doucement. Tout doucement. Du calme, Mickey. C'est les parois qui travaillent. Qu'est-ce que tu penses que c'est ? Un méchant ectoplasme. Qu'est-ce qui vous préoccupe tant, Odell ? Ce bateau a dû sombrer doucement, suffisamment pour mettre à l'eau des canaux de survie. Mais le sous-marin n'a envoyé qu'une torpille, une seule. Ce n'est pas la procédure habituelle. Généralement, on tire jusqu'à ce que la cible soit coulée. C'était sans doute leur dernière torpille. Oui, mais...
Pourquoi ils ne sont pas servis de leur canon? Adèle, c'est votre première mission, non? Ma seconde. Ouais, et la première a eu lieu en Floride, sur un navire-école au cours d'un test d'évaluation, pas vrai? Je me demande juste si leur histoire n'est pas louche. Vous ne tracassez pas, champion. Ils sont là et voilà tout. Vous voulez un café? Ouais. Je l'aime noir. Mais de préférence, très chaud. Fermez les yeux et essayez de dormir. Détendez-vous. Essayez de dormir. Je sais que vous souffrez, mais surtout calmez-vous. Soyez raisonnable. Dormez. Contact sonar. 220 tours par minute, monsieur Bryce. C'est peut-être un classe Z. On l'a peut-être pas semé en fin de compte. Monsieur, cours. Situation silence. Situation silence. Hôtel, allez au thermographe et trouvez-moi une zone froide. Contrôle, assiette moins 5 degrés, venir à 85 mètres. L'eau froide fait dévier les ondes sonores. C'est au cas où ils décideraient de... Grenadage, grenadage, grenadage! Thank you.
Ça fout les jetons, hein. Rapport d'avarie. Contrôle d'étanchéité. Tout le monde au boulot. Bon, admettons, ce bateau était peut-être là par hasard. Le phonographe n'avait peut-être pas été éteint. Mais tout de même. Il y a peut-être quelqu'un qui veut pas qu'on revienne au pays. Mademoiselle Page prétend être restée dans le poste de contrôle pendant toute l'attaque. Oui, c'est vrai. Et son compatriote Kingsley? Si c'est son vrai nom. Il était où quand ça s'est passé? Je suis pas sûr. Oui, il s'est peut-être absenté. Absenté? Ou éclipsé? Quoi? Il y en a qui feraient peut-être mieux de s'occuper de leur bateau et pas de cette poulette. Qui, moi? Je vais parler deux fois en tout. Vous lui faites la cour, avouez-le. Quoi? Lui en avez-vous trop dit? À propos de notre bateau. Messieurs, enfin, messieurs, que le tourne-disque se mette en route tout seul. Ouais, c'est étrange, ça faut reconnaître. Mais ça justifie pas ce genre de reproche. Je crois qu'on devrait tous prendre une grande respiration. Contrôle, Bryce. Vous pouvez vous descendre immédiatement, lieutenant. C'est possible. Laissez passer. Lieutenant, je m'apprêtais à jeter ces vieux habits et j'ai vu ça, étonnant, non? À qui appartiennent ces vêtements? Au naufragé, Chloé Oli. Ça doit être lui qui a mis le disque. Réveillez cet homme. Ce malade a besoin d'être sous surveillance. Réveillez-moi cet Allemand. Hello, mon capitaine. Nom de Dieu. C'est moi. C'était mon idée. C'est moi qui lui ai demandé de rester muet. Elle nous a baratinés depuis le départ. Venez. Bouge pas. Attendez, je vais tout vous dire. Allez, venez. Il s'appelle Bernard Schillings. Il est pilote. Son avion a été abattu. C'est un de mes patients. S'il vous plaît. C'est un prisonnier de guerre et selon les conventions de Genève, il a droit à cette mademoiselle Page, je vous en prie, laissez les régler ça. Il est marié. Il est père de famille. Il veut rentrer chez lui comme vous et moi. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous deviez me le dire. J'avais peur que vous fassiez ce que vous venez juste de faire. Vous auriez dû m'en informer quand même. Vos cachotteries idiotes auraient pu à tous nous coûter la vie. Il n'est pas en cause. Monsieur Odell, cette femme est aux arrêts. Elle devra rester dans sa cabine jusqu'à la fin de cette mission. Interdiction d'aller aux toilettes. Vous lui apporterez un bassin. Stumbo, nettoyez-moi tout ce bordel. À vos ordres, monsieur. Je vais dans ma cabine. Dormir. Je voulais sauver un homme, c'est tout. Au moins un. Au moins un de mes patients. Thank you.
temps, on a tous cru que c'était ce Bosch qui avait mis le disque. Mais la deuxième fois, il était mort. Moi, je vais vous dire ce que je crois. C'est salut, champion. Alors, quel est le niveau d'hydrogène? Il est de 3%. Il faudra bientôt faire surface. Nous ferons surface ce soir, à 21h. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est cette histoire. J'arrive pas à croire qu'un membre de l'équipage ait pu faire ça. Ça fait 2 mois que je suis à bord et je connais maintenant tous nos gars. Aucun d'entre eux n'aurait pu le faire. Alors qui est-ce, selon vous? À vrai dire, je ne vois personne. Ça a été une mission difficile. Les hommes peuvent avoir des réactions curieuses avec le stress. Alors continuez à ouvrir l'œil. Oui, à vos ordres. Brillant, ce garçon. Claire, ce sont des idiots, ignorez-les. Claire, vous m'écoutez? J'ai cru qu'il me parlait. C'était pas sa voix, mais il m'a parlé. Claire. Alors c'est vous qu'il faut que je remercie? Claire, laissez tomber. Vous n'avez rien de mieux à faire en temps de guerre que de jouer avec un cadavre abruti! Le fil du rasoir. Vous êtes sur le fil du rasoir. Enveloppez-moi ce cadavre. Et que ce soit la dernière fois, Stumbo. On s'en débarrassera quand on fera surface. Un peu plus de respect à l'égard du mort me semble nécessaire, monsieur. C'est valable pour tous les passagers embarqués sur ce bâtiment. Quels passagers? Ce sont des officiers. Et leur équipage. Hog, tu le portes, ce Bosch, ou tu le plottes? Putain, j'ai la piroute de se macaper sous le nez et tu te plains encore. Tire, Stumbo! Ça a failli réussir. Hock t'a raconté, hein? Faire demi-tour. Il en est resté trop derrière. Je veux que le bateau fasse demi-tour. Équipe de maintenance, ah, ah, bordel, qu'est-ce qui se passe? À quoi vous jouez, Stumbo? Stumbo? Je vous assure, on a un putain de fantôme dans ce bâtiment. Arrête, Stumbo, ça marche sûrement avec cette femme, mais pas avec moi. La femme, on s'en tape! C'est pas le problème!
J'ai entendu sa voix. Il parlait. Les cadavres. Ouais, ce Fritz mort m'a parlé. Bien sûr. Il s'est adressé à toi dans notre langue ou en allemand? C'était du... pas en allemand, curieux. Affaire classée. À tous se disposer à faire surface. Machine, vous basculerez en diesel pour une charge de batterie. Allez, allez, plus vite. Je me fiche de ce qu'il a dit. Il faut que je sorte de cette cabine. Bon. Faites vite, alors. Les tragédies de Shakespeare au lieutenant Bryce. On passe en immersion périscopique. Veilleurs et artilleurs se tiennent prêts. ...14h20. Prenons photo par le périscope de la base sous-marine de l'Orient et mettons le cap au nord. Les renseignements seront contents des clichés. 15h50, repérons plusieurs cargos mais passons notre route. L'équipage a hâte de rentrer au pays. Avec au moins un mort. Récupérons en urgence trois survivants anglais du navire hôpital, le Fort James, manifestement coulé par un sous-marin allemand. L'écriture a changé. On a de la grosse vague en surface. Le ciel est dégagé? Oui, comme vous dites. Oui, on devrait pouvoir repérer quelques étoiles et déterminer ainsi notre position. Excellent. Le sextant dans ma cabine. À vos ordres. Quand ferons-nous surface? J'ai besoin de prendre l'air. C'est pour bientôt. Oui, mais quand? À peu près. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai changé. Je ne me sentais pas bien dans ma cabine. Il y a du sang plein les murs. C'est insupportable. On n'entre pas chez le commandant sans sa permission. C'est sa cabine. Je lui demanderai à l'occasion. Monsieur Bryce, c'est votre commandant, non? Le lieutenant Bryce commande actuellement ce bâtiment. Il vous faut son accord pour quitter la cabine qui vous a été assignée. Alors... Désolé. Jenkins en salle
papiers. Le service de divertissement des armées reçoit Benny Goodman. J'ai un écho au sonar sur tribord. Immersion immédiate. Alerte, pousse-toi. Immersion immédiate. Plongée, ouvrez les fûres. Barre de plongée à 25 degrés. Barre de plongée à 25 degrés. C'est un immense océan, mon œil. Et il manque cruellement de cachettes. Crow, faites-moi une mesure de profondeur, juste sur l'impulsion de leur sonar. Compris ? Oui, monsieur. 3. 2. On n'est pas loin du fond. Bon, on va faire le mort alors et attendre. C'était ? J'en sais rien, moi. C'est à lui qu'il faut demander. Qu'est-ce que c'était ? Mademoiselle Pelt, je vous l'ai déjà dit, ne sortez pas de votre cabine ! Qu'est-ce qu'on vient de heurter ? On s'est posé. Mais combien de temps on peut tenir, au fond ? Vous aviez prévu de faire surface afin de... À tout l'équipage, à tout l'équipage. Les hommes qui ne sont pas de quart doivent rester dans leur couchette. Interdiction formelle de fumer. On ne devrait pas tarder à le savoir. Sûrement des algues. Ou un filet de pêcheur qu'on a accroché. Ensuite, ça bat sur la coque. On entend des sons très étranges quand on est sous l'eau. Je serais bien incapable de les identifier tous. Alors, qu'est-ce que je vais faire de vous ? Je suis désolée. Je regrette de n'avoir rien dit pour Shillings. J'aurais dû réaliser tout de suite qu'un sous-marin était un très mauvais endroit pour dissimuler un secret. Je vous écoute. On pourchassait un navire ravitailleur de sous-marins allemands. On l'a finalement attaqué. Une seule torpille l'a réduit en miettes. On est monté en passerelle vérifiée. Le bateau ennemi était coulé. Mais il y avait des débris en surface et le commandant Winters a décidé de descendre en récupérer. On est au beau milieu de l'Atlantique. Et le voilà qui part à la chasse aux souvenirs pour décorer sa cheminée. J'ai tenté évidemment de l'en dissuader, mais rien à faire. Quoi qu'il en soit, le bateau a heurté un obstacle immergé et il est tombé. Il s'est cogné la tête et l'eau l'a englouti avant qu'on puisse le sauver. Voilà, vous savez tout. Alors il s'est noyé. Nous avons averti le Connecticut par radio. On est... Je crois que tous les deux, on est partis du mauvais pied. Alors je voudrais... Je reviens sur ma décision. Vous pouvez circuler librement dans les différentes tranches de notre...
Excusez-moi, monsieur. L'humidité s'accumule, ça crée des courts-circuits. Je vais tout de suite réparer. Et pour l'Angleterre, vous changez aussi d'avis ? Vous allez nous trouver un port d'accueil ? Je suis désolé. Désolé, pourquoi ? Elle voulait savoir pour Winters. Qu'avez-vous raconté ? L'histoire. Oui, ça vient bien de l'arrière, mais... Je ne sais pas ce que c'est. Des grappins. Ils utilisent des grappins. Monsieur Loomis, que faisons-nous ? Quels sont vos ordres, monsieur Bryce ? Monsieur Loomis, l'homme de bord attend ! L'équipage attend vos ordres, monsieur Bryce ! Vous ferez mieux à la commission d'enquête. On a une fuite, toute nuit se barre. Je sais pas exactement où. Mais c'est quelque part entre la coque épaisse et la superstructure. Et si ça fuit à ce niveau, ou alors ici, l'huile se répand dans le ballast principal, ce qui implique qu'à chaque fois qu'on fait surface, on laisse une traînée d'huile. Alors c'est ça. C'est comme ça qu'ils nous retrouvent. Ce bateau est maudit. Façon de parler. Comment on va réparer ? Il n'y a qu'un seul moyen. Passer par l'extérieur. Ils vont se battre pour aller là-haut. Bon, préparez des tenues de plongée pour 4. Tout de suite. Enseigne d'elle. Trouvez les volontaires. À vos ordres. Qui vous accompagneront. Vous voulez quelqu'un pour sortir en plongée dans cette eau sombre et glaciale afin de passer sous la coque, localiser l'entrée d'un ballast et se glisser entre les deux coques pour trouver la fuite. C'est bien ça. Et ensuite réparer. De nuit. Attendez, on est en immersion. Le ballast principal doit être rempli de flotte.
Et de nuit en plus. Le chef mécanicien pense qu'avec le kiosque inondé, le bateau pourra rester au fond, même en chassant le ballast principal. Oh super, si c'est le chef qui l'a dit, alors... Excusez-moi, vous allez faire une sortie? Vous allez faire une plongée? Oui, c'est bien ça. Malgré tous ces phénomènes bizarres? Monsieur. Très bien. C'est qui les petits vénards? Vous rigolez ou quoi? Pareil. Je vais demander. Vous serez en binôme. Vous et moi, Odette. Vers l'avant. Vous, vous faites l'arrière. Confirmer l'engloutissement du navire allemand. Quatre officiers montent en passerelle. Le commandant Winters, moi-même, le lieutenant Loomis et le lieutenant Steven Course. La nuit où on a perdu Winters. Drôle de moment pour parler de ça. C'est également un drôle d'endroit. Donc cette nuit-là, comment il a pu tomber et se cogner la tête? On vous l'a dit. Vous dites que le bateau a heurté un obstacle, mais je n'ai rien senti à l'intérieur.
J'ai rien dit, Stumbo. Je sais bien, mais à quoi tu pensais? Ben... J'ai déjà entendu parler d'ouvriers qui se seraient fait enfermer dans des ballasts. Et ensuite, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'eux. Wally, faut être fou allié pour croire à ces conneries! Essayons plus loin. La caisse d'équilibrage est trouée. Ouais. Je vais essayer de colmater. Ok. Tout ce que je vais vous dire restera de ce côté de la coque. Oui. Oui. En fait, il y avait des rescapés dans l'eau. Bryce, Loomis et moi, on allait essayer de les repêcher, mais... Quoi? Winters avait une autre idée. Il nous a ordonné de mitrailler ces mecs. On lui a dit que c'était impossible. Que jamais on tirerait sur des pauvres types sans défense, même s'ils étaient allemands. Ça a tourné en dispute. Le ton est monté. Mais pourquoi ne nous avoir rien dit? Je crois qu'on a essayé de le couvrir. Winters était un bon commandant, même si parfois il se conduisait en vrai salopard. Pour sa réputation, pour l'honneur de sa famille, tout ça. Oui, oui, d'accord, mais... Comment il s'est cogné la tête? Il a simplement glissé. L'acier mouillé. Les accidents, ça peut arriver. De là. Allez les gars, aidez-moi. Allez. Vous avez vu ça? La fuite. Pourquoi vous avez gueulé comme ça? Ne me touchez pas, on a perdu un homme. Ne touchez pas. Est-ce qu'on a perdu un homme? Du calme. Qui a hurlé? Reprenez-vous tous, bordel, vous êtes des hommes. Alors, où est passé, monsieur? Je suis là. Course. Où est course? Dites-moi que c'est lui qui tape. Dites-moi que c'est course qu'il est en vie, Wallace. Non, monsieur. Il n'est plus de ce monde. Si je suis sûr d'une chose, c'est de celle-là. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Hey, non! Doucement. Non!
Du calme, calme, pas. Trumbo, calmez-vous, calme, calme. C'était un M, non? Très, très, deux points. Où t'entends un M, toi? Point, très. Oh, je suis sûr que c'était ça. Non, c'est pas du morse, ça. C'est une saloperie qu'on a accrochée en route. Et maintenant, elle passe sur R. La coque. C'était un R. Très, point, aucun doute, c'est un R. C'est la coque qui craque. Vous perdez la tête pour de simples craquements. Allez-vous enfin me dire ce qui est arrivé à Monsieur Kurz? Mort. M-O-R-T. C'est le mort. Et le T, vous le sortez d'où? Très, point, très. Pendant que vous parliez. Vous, champion, restez en dehors de tout ça. Quant à vous, bande d'imbéciles, vous devriez... Ça suffit! Débriefing, messe des officiers. Je ne veux plus entendre vos commentaires, messieurs. Avez-vous fini votre travail? Oui, lieutenant, terminé. Oui, pas vrai, Wally? Wally? Oui, c'est fini. Bon, voilà ce qu'on va faire. S'il n'y a pas trop de houle, nous ferons surface ce soir. On recharge les batteries, on pousse les diesels à fond et on rentre à la base. Notre base? Monsieur Bryce, les ports du sud de l'Angleterre ne sont qu'à 2 jours de mer. 2 jours seulement, monsieur Bryce. Kingsley est officier de navigation, il peut nous indiquer le chemin. Je connais tous les ports, les fonds, l'emplacement des filets anti-sous-marins, des mines flottantes. La Royal Air Force va nous bombarder parce qu'ils nous auront pris pour un navire ennemi, c'est hors de question. Aucun risque, il y a des couloirs de sécurité qu'on peut utiliser. Suggestion définitivement rejetée, merci. Monsieur Bryce, nos 2 périscopes sont hors service, notre sonar débloque, nous sommes aveugles et pratiquement sourds. L'équipage est mal en point et nous avons déjà perdu 2 officiers. Bienvenue à la guerre, Odell. Cette situation n'a rien à voir avec la guerre. Combien de temps devrons-nous continuer à taire ce que nous pensons tous, lieutenant? Personne ne veut se lancer? Bien, alors je commence. Ce sous-marin est hanté. Quand je voudrai votre opinion, mademoiselle, je vous ferai signe. En attendant... Je ne suis pas un de vos hommes que vous pouvez congédier d'un revers de main, monsieur Bryce. Je ne crois pas que nous soyons seuls à bord. Et je sais que beaucoup ici pensent comme moi. Si nous ne trouvons pas rapidement refuge dans un port, nous finirons tous comme votre ami, monsieur Kurz. La perte du lieutenant Kurz est certes fâcheuse, mais elle n'affectera en aucun cas nos projets. Messieurs, votre attention à tous. Il fait jour pour l'instant. Je prévois de faire surface à... aux alentours de 19h. Nous chargerons les batteries et nous reprendrons notre route initiale vers le Connecticut. Terminé. Vous êtes à 10 secondes de découvrir la peine prévue en cas de mutinerie, Odell. Ce sont les 10 secondes nécessaires pour que j'ouvre l'armurerie et que je revienne ici avec mon arme. Est-ce que l'un de vous veut maintenant ajouter quelque chose pour énerver l'équipage et moi-même? Enseigne Odell. Ouais, c'est mieux pour vous. J'ai légèrement le cap et après droit sur la base. Barre au 2-8-5. Gouvernez au 2-8-5. 2-8-5, à vos ordres. On rentre à la maison. Content, les gars? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous faites, redressez? Je ressens une forte résistance. Le chef sera bientôt là. Je vous dis de ne pas forcer! Gouvernail au neutre, monsieur. C'est...
C'est l'hydraulique, peut-être. Mon de Dieu. Ça nous a dévié exactement. 170 degrés. Je vais le mettre avec les autres lots. Bon, j'ai des plumes, des étoiles, des croix et des figurines. On a une panne de gouvernail. Et au moment où on a voulu stopper les machines, que dalle, elles ont pas répondu. On est sur un bateau fou, les mecs. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, j'ai peut-être une explication. On la connaît. Non, c'est encore plus horrible que ce que tu penses. Et si, en fait, quand on a attaqué ce bateau allemand, on ne l'avait pas envoyé par le fond? Et si, au contraire, lui nous avait coulé? Très intéressant comme point de vue. Je comprends rien. Ça expliquerait pourquoi le cadavre du Bosch a parlé à Stumbo. Je comprends rien. Que les commandes ne répondent pas. En fait, elles sont bouffées par la rouille parce que ce bateau est englouti au fond de l'océan, et nous avec. Y a que ces bruits bizarres que je peux pas vraiment expliquer. Ce sont des plongeurs sauveteurs qui viennent frapper sur la coque. Mais il est trop tard. Oh merde. Ça y est, j'y suis. De l'hydrogène. Il sort des batteries. Du gaz carbonique. De l'ozone produit par les courts-circuits. Voilà ce qu'on respire en ce moment. On est comme ces plongeurs de fond à court d'oxygène. Nos cerveaux commencent à ne plus tourner rond. On a un putain de problème mécanique, ok? C'est seulement un putain de problème mécanique, comme on en a toujours. Alors, vous allez oublier l'ICO, toutes ces conneries. À moins qu'on ait coulé pendant le grenadage. Ouais, vous vous souvenez? On pouvait pas en sortir intact. Quelle est la distance pour rejoindre les côtes anglaises? Je peux connaître vos raisons? Non. Bon, très bien. Direction? On fait route au 095. Oui, ok. Alors, on doit être là et on va... Je peux savoir pourquoi vous demandez? Au cas où on ne pourrait pas rentrer chez nous. Quelle qu'en soit la raison. Alors, chef, quel est votre diagnostic? La situation n'est pas brillante. Pourriez-vous être plus précis? On a une perte de pression. Non, non, je crois pas que ce soit ça. Alors d'où vient le problème? Défaillance des pompes, peut-être? Oh, elle marche parfaitement. C'est pas ça non plus, non. Le gouvernail est commandé par un circuit indépendant de la barre à la pompe. Il doit être bouché quelque part. Va falloir le purger, c'est le seul moyen de retrouver un bateau manœuvrable. À quel niveau vous allez purger? Eh, hey, c'est Loïc. Il y a qu'un endroit possible, la salle des batteries. C'est risqué d'y intervenir. Ça n'a pas été ventilé. Ouais. Mais on soudra pas de toute façon, ça devrait aller. On en est où à propos? 13% la dernière... Quoi, 13% d'hydrogène? Moins fort! Messieurs, je ne vois pas d'autre moyen de retrouver le contrôle. Pas la moindre idée de ce que c'est. Bon, allez-y, fermez bien les portes étanches. Je vais pas transformer ce bateau en brasier. L'intervention doit rester confidentielle. Comme si les pannes mécaniques étaient le vrai problème. Avant verrouillé. Arrière verrouillé, chef. Yeah.
quoi, ce repère? Qu'est-ce qu'il y a eu ici? À la cantine. Allez boire un café. Ça va, monsieur, vraiment. Vous tombez de sommeil, champion. Je vous relève deux minutes. Lieutenant, faut qu'on parle. Pas maintenant. Maintenant, monsieur Loomis. Nous devons parler maintenant. C'était une baleine, pas vrai? Mais oui, qu'est-ce que ça pourrait être? Allez, au boulot. Il faut retaper ce gouvernail. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Je sais que le lieutenant Course n'était pas certain de son dernier point, mais d'après nos calculs, le bateau retourne à l'endroit précis où nous avons coulé ce navire allemand. Sortez immédiatement. Évacuez le poste. Laissez-nous seuls 5 minutes. Exécution. Bien, on a presque fini. On va remettre la pression dans le circuit et montrer à ce bateau qui est le maître à bord. Essayer de rétablir le courant. Merde. Hey les gars, qu'est-ce qui se passe? Le courant est coupé. Ferme cette putain de porte immédiatement ou je te colle une trompe, connard! Qu'est-ce que vous insinuez? Que ce n'est pas une coïncidence? Que quelqu'un nous a mis sur cette route? Je pose seulement la question. À moi d'en poser. Où étiez-vous quand le gouvernail a tourné? Hein? Cette route va droit sur l'Angleterre. J'ai remarqué que vous bandez pour tout ce qui est anglais. Alors où étiez-vous, Odell? Planqué à la poupe, en train de saboter le gouvernail? Ou alors vous avez payé un mécano? C'est le truc le plus dingue c'est que j'ai jamais entendu! Tout ce que vous racontez! J'en ai marre de vos histoires de fantômes! Ce n'est pas ce que vous croyez! Vous et les hommes, vous vous montez la tête! Vous pétez les plombs, c'est clair? Carré des matelots, dites au chef de venir au rapport. Hogg. Poste de manœuvre, répondez. À tous, contactez le poste de contrôle. La porte est brûlante. Thank you.
Loomis. Continuez. Je dois régler cet engin. Je respire mal. Cherchez bien. Il doit être quelque part. Ça va aller. Ça va, chef. On vous a trouvé. Vous bougez. Je voudrais savoir si vous sentez vos jambes, vos orteils. Courage. Cherchez pas à m'arrêter. On va vous tirer de là. En particulier, vous. Faut partir. Les batteries sont dangereuses. Qu'est-ce qui s'est passé? L'hydrogène, une étincelle, tout le monde est mort. Tout le monde. Loomis? Qu'il a au moins emmené de l'air. Thank you.
C'est presque vide. Continuez, Stumbo, essayez encore. Il faut libérer cet air. Allez, on met ça. Plus fort, Stumbo. On croirait que c'est soudé. Tout ce que je sais, c'est ce que Kurs m'a raconté. Apparemment, le commandant Winters voulait qu'ils ouvrent le feu sur les naufragés allemands. Alors que M. Bryce, M. Loomis et M. Monsieur Kurs voulaient les récupérer. Après, il y aurait une dispute et Winters serait tombé. C'est très intéressant, mais... ce n'est pas la version que j'ai eue de M. Bryce. Lieutenant! Vous êtes sûr qu'il est revenu ici? Vous me cherchez? Je voulais vous... signaler que le chauffage est hors service. Et la manette d'air est bloquée. Stumbo est en train de travailler dessus. Nous n'avons pratiquement plus d'air comprimé, alors je me demandais si... vous préféreriez l'utiliser au moment où nous essaierons de faire surface, ou dès maintenant, pour respirer. Et du cirage. Pardon ? Nous manquons aussi de cirage, maintenant. Nous aimerions aussi que vous nous parliez du commandant Winters. Racontez-nous ce qui est vraiment arrivé ce soir-là. Je suis sûre que ça nous aiderait à comprendre. Ne me dites pas que vous l'ignorez. Arrêtez de faire semblant de ne pas le savoir. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Hogg avait peut-être raison. On est peut-être déjà tous crevés. Si c'est pas le grenadage... c'est l'hydrogène. Si c'est pas l'hydrogène, c'est le froid. Et puis, sinon... ce salopard de fantôme va faire le grand ménage. Putain de merde. Relevez-vous. Il y a tellement de façons de mourir. Tellement... Stumbo, le CO2 est un gaz lourd. Il s'accumule dans les zones basses. Alors il faut vous relever. Non, ne vous laissez pas aller. Allez, debout. La peine, c'est trop tard. Stumbo ! Laissez-moi faire. On est déjà mort. On va juste mourir encore et encore. Reprenez-vous, Stumbo. Tout le temps. Allez, redressez-vous. Ça s'arrêtera jamais. Regardez-moi. Stumbo, regardez-moi. Vous l'avez senti ? C'est que vous êtes vivant, alors. Salope, tu vas le payer ! Non, arrêtez ! Hé, hé ! Calmez-vous, ça suffit, calmez-vous ! Stumbo ! Elle a osé, putain, elle a osé. Il n'y aurait pas un winch ou un palan ? Ou un tir fort dans le matériel du Bosco ? Si. On peut s'en servir ? Vous voyez de quoi il parle, Stumbo ? Ouais. Alors montrez-moi où c'est. Allez, venez avec moi. On va s'en charger. Il nous les faut. Allez, venez ! Venez ! Expliquez-moi pourquoi trois officiers s'associeraient pour tuer leur commandant et étouffer l'affaire. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas ? C'est bien possible. Je vois que je ne suis pas la seule. Loomis aurait obtenu une citation. Et Bryce avait tout pour être commandant. Famille de marins, parcours exemplaire. Kurs avait une fiancée, une fille de Boston qu'il devait épouser. Il en parlait sans cesse. Ces trois officiers avaient de l'avenir. Ils avaient tout pour eux. Si l'on suit votre raisonnement, ils avaient tout à perdre. Où est passé Wallace ? Wallace ? Wallace ? Ah ! Non ! Non ! C'est nous. Ne craignez rien. C'est nous, Wally. Écoutez. Cette histoire nous dépasse complètement. Savez-vous pour quelle raison ce bateau a fait demi-tour ? Et est-ce qu'il y a un moyen d'en reprendre le contrôle ? Je viens de relire ce que j'ai sur la question. Ce qu'on sait au sujet des ectoplasmes. Les ectoplasmes ? Les fantômes. Les ectoplasmes n'appartiennent ni au ciel ni à l'enfer. Ils se situent entre les deux dans une zone floue. En fait, il y a une immense... On va bientôt manquer d'air. Ce qu'il faut savoir... le point essentiel, c'est que
Les ectoplasmes doivent obtenir satisfaction pour échapper à leur sort. Et selon vous, qu'est-ce qui satisferait notre ectoplasme ? Le vieux Winters n'a pas eu l'honneur de couler avec son bateau. Voilà, laissez la vôtre ici, on va aller chercher d'autres lampes. Claire, écoutez-moi. Surtout, promettez-moi de rester debout, d'accord ? Bon. Ne faites pas semblant de rien savoir. « 22h30, cible en vue. Ressemble à un ravitailleur allemand. Winters ordonne de se rapprocher de la cible, afin d'être à distance de tir. 23h15, Loomis recherche le profil de la cible dans le registre d'identification. Il reconnaît un ravitailleur allemand. Je confirme l'identification. 23h20, une unique torpille est tirée depuis le tube 4. Entendons explosion, suivi de bruit de naufrage. 23h30. Pour confirmer l'engloutissement du navire allemand, 4 officiers montent en passerelle. Le commandant Winters, moi-même, le lieutenant Loomis, le lieutenant Steven Course. Nombreux corps dans l'eau. Le navire torpillé est en flammes. Qu'est-ce que vous faites là ? Allez-y,
bateau allemand. Celui que Bryce dit que vous avez coulé. Et maintenant le mien. Le Fort James, navire hôpital. Alors vous voulez dire que le sous-marin aperçu par Kingsley, celui qu'il pensait être allemand? Oui, je crois. C'est donc un accident? Non, pas quand ils nous ont laissé nous noyer. Tout le monde hurlait, et ça n'était pas en allemand qu'on criait au secours. Vous croyez vraiment que Winters aurait pu vous abandonner? Non. Le commandant Winters aurait repêché les survivants. Ce qui veut dire... Soit les batteries ont fini par lâcher, soit on est arrivé. Il faut la débloquer! Tout le monde tire! Allez! Allez! Tirez plus fort! Merde, t'avais raison. J'aurais préféré me tromper. Kingsley. Dieu, on coule à pic. Non, on remonte. On remonte! Wallace, essayez de faire marcher le radar et balayer la zone. Stumbo, essayez d'ouvrir le panneau. Prenez un pied de biche, il doit rester beaucoup d'eau dans le kiosque. Sinon, on sortira par l'avant. Seigneur. Hé, hey, les gars, venez voir ça. J'ai un écho au radar, à 4500 mètres, sur tribord. Encore lui? Encore ce bateau Bosch? On va pas faire les difficiles. Ok. Wallace, sortez l'antenne et établissez le contact radio. Dites-leur de s'identifier, vous devez y arriver. Au travail, enseigne Odell. Mais je me sens mieux maintenant. Vous disiez... Nous avons un contact. Et peut-être une opportunité. Une opportunité? D'abandonner le sous-marin. Je ne sais pas s'il s'agit d'un bateau allié. Moi non plus.
mais il vaut mieux s'aborder le sous-marin et tenter notre chance avec ce navire, même s'il est allemand. S'aborder notre sous-marin? Et on dira quoi à nos supérieurs? Qu'on a fait couler notre bateau parce que quelques hommes sont morts en accomplissant leur mission? Quelques hommes, lieutenant? Contact à 2500 mètres. Il va passer tout près. On attend. Tranquille. Wallace, oubliez ce que Monsieur Bryce a dit. Je veux que vous alliez au poste radio et que vous établissiez le contact avec ce navire au plus vite. Vous n'êtes pas le commandant, Monsieur Odell. Vous non plus, lieutenant. Forte pluie. Avec de la chance, ils croiseront sans nous repérer. En danger ici, mademoiselle Page. On descend maintenant! Mourir pour que personne ne connaisse la vérité! C'est ça? Comme ça? Moi, c'est comme ça que je meurs? C'est ça votre plan? Mais alors tirez, espèce de lâche! Stumbo, ouvrez partout! Tenez-vous prêt à s'aborder le bateau! Partons, Bryce! Ils penseront que c'est un U-boat! Foutons le camp! Ils le sauront jamais! Vous avez d'autres conseils à me donner, champion? Que 500 mètres, il arrive droit sur nous. La peinture du pont va en prendre un sacré coup. Essayez de cacher l'erreur, de trouver un moyen de sauver la face, en préservant aussi l'honneur de Winters. Je devais porter cet uniforme pour le retour au port. Maintenant, c'est... Je perds, mademoiselle Peck. Me donner cette torche pour que je puisse appeler au secours. Je sais pas, mon Dieu! Je viens de comprendre pourquoi il ne m'a pas tué. Il n'avait pas à le faire.
Ouais. Vous étiez pas la première femme à me filer une gifle. Et vous serez pas la dernière. Mais vous avez eu sacrément raison. Ça m'a sauvé la vie. Bien joué, Mademoiselle Page. Bien joué, Monsieur Stumbo. Mort, mais pas encore enterré. Excusez-moi ? Votre navire. Diriez-vous si vous deviez expliquer toute cette histoire ? Ça semble irréel, je le reconnais. J'ai tendance à croire qu'au moment où le commandant Winters a été tué, il est juste mort. Et que tout le reste, ce qui s'est passé après, j'en sais rien. Vous direz ce que vous devez dire, enseigne. Je crois que ce bateau n'est pas revenu sombrer ici sans une bonne raison.